Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Foura, je suis dirigeant d'Elena Prototype depuis janvier 2021. Elena Prototype est une société qui est basée donc, dans le bassin nantais. On développe donc, des technologies donc, d'impression 3D et de prototypage rapide. Alors cette année, nous avons souhaité proposer des objets insolites, changer un petit peu, essayer de revoir, donner une image de l'impression 3D un peu diversifiée, présentant donc différents produits qui ont été conçus par un stagiaire que j'ai pu prendre en début d'année, stagiaire en design produit qui a conçu différents éléments, différents produits en vue de ce salon. Donc, nous présentons effectivement sur ce salon un bras médical robotisé pour lequel un de nos clients nous a sollicité. C'est la société Orthopus, donc, qui est basée près de Nantes, qui a souhaité s'entourer de Elena Prototype pour développer les coques techniques qui viennent composer le produit. Donc au départ, nous avons commencé par une phase de prototypage en réalisant d'abord ces pièces en stéréolithographie et il a pu constater assez rapidement qu'il y avait une certaine fragilité, donc il était préférable d'utiliser une autre technologie, et en l'occurrence le frittage de poudre, qui a permis de parfaire le produit, et à la fois sur le plan esthétique et sur le plan technique. Alors le post-traitement est vraiment une étape clé en impression 3D, dans la mesure où aujourd'hui tous les produits fabriqués en impression 3D, ou la plupart, deviennent commercialisables. C'est-à-dire que l'objet d'un client aujourd'hui, c'est plus simplement de faire un prototype, mais c'est plutôt d'avoir une pièce qui va être en mesure de présenter son produit final et même de le commercialiser. En ce sens, donc, Elena a intégré depuis très longtemps maintenant des possibilités de finition pour toutes ces technologies. Tout d'abord, bon, des procédés relativement simples comme la pigmentation, notamment pour le frittage de poudre. Derrière ça, vous avez aussi quelques possibilités de finitions plus anecdotiques comme le chromage ou des finitions de vernis ou encore des finitions de stamping pour tout ce qui est marquage. Pour la petite et moyenne série, Elena Prototype a fait son choix. C'est vraiment l'orientation frittage de poudre, frittage laser sélectif qui est vraiment la technologie la plus adaptée pour la petite série. D'ailleurs, je vous invite à nous contacter si vous le souhaitez, dans ce domaine ou dans d'autres. Vous pourrez nous retrouver sur notre site internet et puis nous contacter au besoin pour toute question éventuelle. Voilà, je vous remercie.